I know. At first glance, you might call this guy a hiker. A weekend walker. Wandering through the fields, walking poles in his hands, and sunglasses on his nose. He could very well be a random member of the local senior hiking club. But, don't be mistaken, this guy is an elite athlete, an ultra trail runner. Let me introduce you to Aurélien Dunant-Palaz, one of the greatest French ultra trail runners. You want to learn how he got here? But let's start from the basics. Because yes, before claiming to run, finish an ultra trail, or win your local sausage race, you first have to learn to walk. This beat goes It's here in the Bauge mountain range, in the heart of the French Alps, among these majestic peaks, near Annecy Lake. More precisely, in those specific fields, that our friend Aurélien took his first steps. En fait, à 9 mois et demi, il a commencé à marcher. Donc, très rapidement. C'est un enfant qui pleurait beaucoup, en fait, qui avait besoin d'être beaucoup sollicité pour marcher, pour aller dehors, tout le temps. Et en fait, c'était un gamin limite hyperactif, je pense, et en fait, le sport l'a canalisé. Parce que tout le monde dit qu'Aurélien est calme. Je pense que c'est le sport qui fait que... Parce que petit, il n'était pas vraiment calme. It's no secret. In life, we are not all equal. I might disappoint some of you, but we all have different genetic potential when it comes to sports. Quand il faisait quelque chose, c'était toujours par passion et toujours à fond. Fin CM2, on lui a acheté un vélo. Et bon, à l'époque, il n'y avait pas de portable et tout, hein, donc il nous a dit, je vais faire des tours de vélo. Donc il prenait son vélo, il partait au saisie et tout. Et il a fait 10 ans de foot, 10 ans de ski. Après, il s'est dit, bah, pourquoi pas en courant. Puis un jour, il nous a dit, je me suis inscrit sur 3 trails. Donc tout de suite, 70 km, enfin UTB. Après, il avait sa petite mobilette, donc il partait à la pêche. Hein. As for Aurélien, he always had a pretty good head start compared to the average, which you probably belong to. But no need to panic. Your ultra trail running ambitions are not already over. Good genetics aren't just enough. On the long road to becoming an ultra trail runner, there is an obvious key element, practice and training. Some people might mistake ultra trail runners for hikers or mere power walkers. Track and field athletes might even be misled by their speed data. The average speed of female winners of UTMB is around 7.5 kilometers per hour. For men, it's not even 9 kilometers per hour, under 5.5 miles per hour for our American viewers. An ultra trail runner still needs to know how to run properly. To get there, although endurance is the base, aerobic capacity is just as important. La VO2 en course à pied, c'est important comme tous les sports aérobie. Après, c'est une puissance un peu instantanée, c'est une puissance maximale. Donc sur 5 minutes, 6 minutes. Il y a des coureurs qui vont décliner très rapidement en puissance, puis d'autres qui vont être capables de sortir des efforts, on va pas dire proche de VO2 max, mais un bon pourcentage de VO2 max, même au bout de 4 heures de course. Donc tout ça, il faut le travailler. Les VMA, VMA sur plat, VMA ascensionnel, le seuil anaérobie, on peut faire du tempo, faire beaucoup d'endurance de force, ça c'est important, parce qu'on peut avoir un bon cardio, mais ne pas être capable de développer de la force dans les pentes raides, et de préférence en croisant des sports.
quand on se met à l'ultra, on va faire beaucoup d'heures d'entraînement, forcément. Donc, sachant qu'on est dans un sport traumatisant, on peut déjà transférer une partie du travail à faire sur des sports qui sont beaucoup moins traumatisants. Donc le cyclisme, il est très adapté, le ski aussi. Bien comprendre, c'est l'apport de chaque sport par rapport à la course à pied, par exemple en ski alpiniste, pour apprendre à grimper fort, il n'y a pas mieux que ça, il n'y a pas d'équivalent. Quand il y a un cycliste qui passe au ski, il va bien. Quand il y a un skieur qui va vers le vélo, il va bien. Et dans l'autre sens, ça ne marche pas. En progression, pour moi, il n'y a aucun équivalent à la pratique du ski, à la pratique du vélo. Et ça, c'est des vrais apports pour la course à pied. A bit of non-expert advice for do not confuse speed with haste. Try to keep a cool head. Let's go back to our instruction manual. Now that the body is ready, start thinking about your dream races. Try to set a few modest, achievable goals. Interview Aurélien Dunant-Palaz. Aurélien, t'as donné une interview il y a quelques jours. Est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, l'article? Depuis le début de ma carrière, j'ai une petite liste d'objectifs qui n'est plus si secrète. Je rêvais de devenir champion de France de trail, de gagner la Diag, l'UTMB et l'Hardrock. J'ai déjà réussi 3 objectifs sur 4 que je me suis fixés. En 2018, je suis devenu champion de France de trail et l'année dernière, j'ai gagné la Hard Rock et la Diag. Et maintenant, qu'est-ce que tu prévois et quels sont tes prochains gros objectifs? Cette année, mon gros objectif, c'est de revenir sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB, fin août. En 2021, un premier essai, une première réussite, puisque j'ai fini deuxième derrière François. Et ensuite, 2022, un échec parce que je suis arrivé malheureusement avec une blessure. J'ai abandonné au bout de 8 ou 10 km et voilà, retour maison. Abandon de Aurélien Dunant-Palaz. Ouais, puis la peau importante du jour, c'est a priori pour l'instant à venir, mais l'abandon d'Aurélien Dunant-Palaz. Donc maintenant, j'ai envie d'y retourner pour réussir une seconde fois. Chapter 4. You need to be ready for the D-Day. The UTMB is the unofficial world championship of ultra trail running. The difficult thing about competing in ultra running is that we usually only compete a couple times during the year, maybe only one or two times. And so it's really important that those one or two days of the year are your best day of the year. And it's really hard to get that to line up perfectly. And you can see it takes a lot of people, myself included, a few years to really figure out how to get to that one day and approach it without too much stress, but also physically and mentally be ready. Pour résumer, ma saison depuis janvier jusqu'à l'UTMB, c'est une première partie de janvier jusqu'à fin mars où je fais beaucoup de ski avec deux grosses compétitions à la fin. Donc là, il y avait la Pyramide et le Tour du Rutor, donc deux grosses courses. Et ensuite, je suis passé en course à pied, j'ai remis les baskets. Donc ici, j'ai fait une petite semaine pour se réhabituer tout doucement quand même. Et depuis, voilà, je cours, je fais du vélo, forcément. Sont arrivées les courses. Donc, début juin, la Maxi Race en premier. Cette année, c'est la troisième place. On revient, ensuite, il y a eu 3 semaines entre le Maxi Race et le 90 km du Mont Blanc. Et au milieu, on voit que je me suis quand même beaucoup entraîné. Ce qui a fait que le jour de 90, j'étais un peu pas super fort. Ensuite, va arriver l'UTMB. Donc le gros bloc que je vais faire, c'est la reconnaissance du parcours de l'UTMB. Ça va être fin juillet. Et ensuite, je refais un dernier petit bloc d'entraînement à 2 semaines et demie de la course.
Et là, je vais faire une grosse séance avec du dénivelé négatif. C'est-à-dire que je vais monter en télésiège, je vais descendre en course à pied pour bien me faire mal aux jambes. Et ensuite, à partir de là, je me repose, il reste 2 semaines et demie. Et comme ça, j'arrive en forme le jour J. Chapter 5. Recovery. Everyone has their own life and schedule. But don't forget one thing. Preparation. Training. Races are essential, but recovery and sleep are just as important. And if your life doesn't always allow you to sleep as much as you'd like, then consider those little everyday tricks to optimize your recovery. Chapter 6, Finding Your Runner's Soul. It may not always seem easy to prepare your body for the big day you've chosen. You also need to prepare your mind. Yes, you need to unleash your warrior spirit, your ultra runner's heart. Let's dive into the daily life of our athlete, Aurelien. If body preparation is important, mental balance plays a crucial role in performance. Aurelien has always been sane. He works as a physiotherapist. Spending his days with elderly people doesn't seem to make him think about sports. Every evening, he reunites with his family, his wife, and recently, his 2 children. No fuss, no distracting details. Not thinking about sports for part of the day is an important asset. Ah, and finally, I'm going to show you Aurelien's secret to motivation. Because yes, he does have a little secret. Oh, no, that's not a secret. Even though food is important, especially for Aurelien, as you've seen, I was rather talking about the Dunan Palaz family, the official support team. Et aujourd'hui, j'aime bien être entouré d'eux. L'année passée, sur les événements où je suis parti à l'étranger, je pouvais leur faire confiance, que ce soit sur le moment de la course, les ravitaillements forcément, et aussi, et principalement, je dirais même, sur les avant-courses, où ils me délaissaient beaucoup de plein de choses de la vie de tous les jours, quoi. Et puis, le jour J, forcément, ils savent ce dont j'ai besoin sur les ravitaillements, et souvent, ils me voient y arriver, ils savent sur mon faciès si je suis bien, je suis pas bien, et puis les mots qu'il va falloir me dire. That's all, folks. You know all the major steps to becoming an ultra trail runner. It's almost time to embark on your grand adventure. Whoops, I think I got the scene wrong again. Let's try this again. It's time to embark on the grand adventure. If you're afraid, it's normal. Ultra trail running is not just a sport. It's a way of life that demands motivation, discipline, and courage. 100 miles is not just a distance. It's an enemy in the beginning, an enemy that you will get to know over time, and finally turn into a friend. Well, almost a friend. One step in front of the other. Just keep moving forward. Because now, you are an ultra trail runner.